Bonjour à tous les amis, c'est Chris, bienvenue sur Christo et Tian. Donc aujourd'hui numéro 22 de Leto One de Ghostbusters. Par contre un peu spécial vu que vous voyez, je n'ai plus qu'une main. Je suis aidé par mon fils, par le plus grand de mes fils, Raphaël. Coucou. Donc c'est lui qui fera le montage tout à l'heure. Donc, nos nouvelles pièces. Nous allons avoir la partie arrière du châssis, la valve de nivellement, le cadre du compartiment à pile. Donc, comme d'habitude, notre pas à pas. Après, un petit article sur Kurt Fuller. Donc, tu étais présent dans les Sonnets Phantom 2. Voilà, on voit à la fin qu'il est envahi de vibrations positives. Après, comme d'habitude, noté de taux 101. Donc là, il nous parle d'un tassement symétrique de livres qu'on voit au début du 1. Dans notre numéro 23, on parlera de Rick Moranis de l'Université de Columbia et on aura toute la partie arrière de notre châssis avec le, on verra bien, le compartiment à pile et les deux garde-boue qui iront. Et dans l'étude, les pièces de ce numéro-là. Allez, place au montage. Donc, pour commencer ce montage, on prend notre cadre du compartiment à pile. Oui, mets-le. On le glisse. Non, il faut glisser en dessous. Voilà. On le glisse en dessous par là. On le met bien ici. Et on va y mettre deux vis EM ici et ici pour tenir. Donc après, on le retourne et on y met à nouveau deux vis EM ici et ici. On prend notre valve de nivellement et on va venir, donc on voit le petit pitot qui est ici, on va venir le mettre dans le trou ici le plus haut. Comme ceci. Et à nouveau une vis EM. Donc c'est tout pour ce numéro 22. Donc comme d'habitude, on laisse un pouce et on s'abonne en cliquant juste ici. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 23. Bye. Bye.